Les professionnels du secteur des technologies de l'information et de la communication d'Afrique de l'Ouest et centrale se donnent rendez-vous les 13 et 14 juin prochains à Dakar, au Sénégal, à l'occasion de la 9e édition des West and Central Africa Com. Plusieurs thèmes sont abordés à travers une série de conférences et d'ateliers. Un reportage d'Aude Van Den Broek, commentaire de Flore Onissa. Promotion des nouvelles technologies sur le continent. Pour sa 9e édition, Afrique de l'Ouest et du Centrecom se consacre aux nouvelles opportunités dans le marché digital en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le continent est un marché d'avenir en la matière. C'est un endroit où il y a encore beaucoup de croissance. Les besoins en matière de communication sont énormes. Les réseaux ne sont pas encore complètement développé et il y a une demande énorme de communication, mais aussi énormément d'innovation en matière de services. C'est la 5e fois que Julie Ray participe à un congrès d'AfricaCom. La directrice de recherche constate qu'il y a eu des progrès réalisés au cours des dernières années. Quand j'ai commencé, on parlait beaucoup du déploiement des réseaux mobiles. Et les services offerts étaient vraiment surtout des services de voix. Depuis un ou deux ans, on voit un énorme boom en matière de services de contenu, de réseaux sociaux, de musique, de ringtone, etc. Et surtout pour cette année à Dakar, on a une nouvelle session qui est centrée sur l'entrepreneuriat avec des représentants de jeunes startups qui vont venir pour la première fois au congrès. Le congrès d'AfricaCom se déroulera les 13 et 14 juin à Dakar, au Sénégal.